Bon, Carmelo, tu es italien. Oui. Come stai? Molto bene, grazie. Stai bene. Jacques. Grazie. Bon, Jacques. De quelle région tu es d'Italie? Je suis de Sicile. Sicilien? Oui. Mais c'est la première fois que je vois un Sicilien avec les yeux bleus. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui. C'est... Je viens de la Sicile, mais tu sais, j'ai quitté mon pays, j'avais 15 ans, et je suis venu à Paris. J'ai un copain qui a fait une chanson là-dessus. Oui, j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays. Ah, Enrico. J'en ai mis Enrico. Ah ouais, c'est Enrico, c'est ça, je cherche une. Et depuis 15 ans que je vis à Paris. Et voilà. Voilà, c'est super. Mais à Paris, tu connais plein de gens, naturellement. Ah oui, on a des amis communs. On a des amis communs. Il y a un ami commun qui nous regarde en ce moment, qui te surveille de très près, c'est Carlos. Ah, oh, Carlos. Personnage. J'aimais lui dire bonjour. Camarade, c'est un copain. J'aime beaucoup, monsieur Carlos. Si Carlos est en train de nous regarder, il est en Antibes. Oh, il est ici, à la côte. Oui, il profite d'un instant de repos dans sa tournée. Et il revient en Tibre, il a des attaches très, très profondes. Il va sûrement aller pêcher dès demain. Ah, c'est étonnant qu'il fasse autrement. C'est impossible. C'est impossible. En tout cas, on lui fait une grosse bise. Je sais pas, il est peut-être là en face de moi. Alors, et qu'il se repose bien, Carlos. Il se repose bien, ah, oui, il a beaucoup de boulot en ce moment. Il en a besoin. Pourquoi? Tant de santé. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup, il pêche beaucoup aussi, je crois. Je crois qu'il a bien. C'est un mec qui a vraiment bien organisé sa vie. C'est-à-dire 9 dixièmes de pêche, 1 dixième de travail, et les 1 dixième de travail paye les 9 dixièmes de pêche. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Oui, oui. On va reparler du c'est temps pas libre génial. Ensemble. Enfin, écoute, on va surtout... Ministère du temps libre, lui, il sait ce que c'est. Il a inventé. Ministre. Il l'a inventé, lui. Il l'a inventé. En tout cas, Carmelo, tu as des projets, je suppose, pour la et rentrée. Oui, et voilà. Il vient sortir mon disque, là, Je t'aime, qui passe beaucoup dans les boîtes, que je chante en français. Faut le dire. Je chante en français. Oui, parce que déjà j'ai fait deux disques en italien et oui. Maintenant il y a des gens qui m'ont réclamé de chanter en français. Et voilà, ça vient de sortir ce disque. Et mes projets, c'est un 33 heures bientôt et un nouveau film. Mais c'est mieux parler ça après parce que j'aime pas parler en avance. Bon, autrement dit, tu reviendras dès que tu auras tourné ton film. Avec plaisir, Jacques. Avec beaucoup de plaisir, on t'accueillera. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'aller gagner notre grande scène qui se trouve derrière moi. Merci, Jacques. Et on va t'applaudir le temps que tu la gagnes pour t'écouter chanter Je t'aime. Carmelo. Moi, qui ai tant aimé.
Moi, je serais à la place de la jeune fille à qui il dit ça, je viendrai tout de suite. Surtout qu'avec les yeux bleus qu'il a. Avec les yeux bleus qu'il a. Le bronzage qu'il a. Le bronzage qu'il a. L'origine. Ouais. Sicilien. Sicilien en plus. Je viens tout de suite. Ah ouais. Toi, tu viens tout de suite. Oui.